Bonjour à tous. Je suis la professeure Marie Zineb, enseignante chercheur à Sciences Po Rabat, l'université internationale de Rabat, et euh, bah, je participe à ce live afin de répondre à toutes vos questions concernant euh, concernant les masters que nous avons, les formations euh, les formations diplômantes que nous avons, et puis ensuite également répondre à, éventuellement toutes vos questions euh, sur euh, les processus d'admission sur euh, également euh, bah, Sciences Po en général également, hein, sciences, po, euh, sciences Po Rabat, qui est le département de sciences politiques de l'Université internationale, euh, internationale de Rabat. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis, euh, suis professeur euh, euh, enseignant-chercheur euh, à Sciences Po Rabat. Je travaille principalement sur les politiques publiques et je dirige, euh, je dirige un master en évaluation des politiques publiques dans les pays en voie de développement. C'est un master qui, qui existe également auprès de deux autres masters. Un master euh, qui concerne principalement, qui concerne beaucoup plus les relations, les relations internationales, gouvernance, euh, gouvernance et intelligence internationale, qui est dirigé par la professeure Rabi euh, Yousra. Et également un autre master qui euh, concerne la résolution, les résolutions de, euh, les processus de résolution de, des conflits, et également maintien de la paix, qui est dirigé par le professeur. Julien Durand de Sanctis. Et euh, Sciences Po existe depuis... Euh, Sciences Po Rabat existe depuis euh, 10 ans. Les masters, euh, les masters sont ouverts euh, également depuis quelques années, dépendamment de l'ancienneté des uns et des autres. Et, euh, et donc, bah, je le répète, ce live principalement établi pour pouvoir expliquer au plus vraiment euh, tous les, euh, tout ce qu'il faudrait, euh, tout, ce, tout ce qui est nécessaire à savoir, à maîtriser pour pouvoir vous aider à choisir, à un peu vous orienter, c'est également une séance. Également, on peut la considérer comme une séance d'orientation. En, euh, en général, je suis là vraiment pour répondre à toutes vos questions, pour euh, essayer de, de de vous aider, euh, de vous aider à, à déterminer quel choix de carrière, quel choix de formation, euh, quel choix de formation vous pouvez prendre. Ce n'est pas évident de choisir d'emblée. Euh, ce n'est pas évident de choisir un master parce que ça détermine ça détermine également euh, les, euh, bien, ça détermine son entrée dans la vie professionnelle. Évidemment, le marché du travail est de plus en plus concurrentiel. C'est un marché où il faudrait quand même présenter des profils très pertinents. Il faut présenter également des profils qui sont de plus en plus opérationnels. C'est-à-dire que l'étudiant, dès qu'il est diplômé, euh, dès qu'il est diplômé, devrait se rendre, devrait devenir, devrait être euh, opérationnel pratiquement au lendemain euh, de sa diplomation. Et, euh, et Sciences Po de par, par euh, l'exigence qu'elle qu porte, et également les opportunités, euh, les opportunités que donne Sciences Po Rabat et également les trois masters, euh, les trois masters qui existent s'inscrivent dans, euh, dans, euh, dans cette perspective. Et donc euh, voilà il y a trois, trois masters qui, euh, qui investissent chacun euh, un champ euh, un champ de sciences politiques Ce sont des masters qui sont qui euh, bah, évidemment qui, qui englobe euh, qui englobe plusieurs champs de, de 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 la science des sciences politiques avec des spécificités euh, des spécificités plus euh, particulières également et donc c'est c'est vraiment une ces trois parcours ce sont trois masters ou trois parcours par, trois parcours de formation qui euh, qui euh, qui englobe véritablement tout ce que tout ce que voudrait tout ce que voudrait prétendre tout ce que devrait prétendre un étudiant euh, en sciences euh, science politiques. Et donc, je le répète, je suis, euh, je suis tout à fait disposée à répondre, euh, à, répondre à vos questions, également euh, à, à vous aider, à donner des conseils le plus, euh, plus humblement possible et plus de, avec le plus d'intégrité euh, possible. Alors, je suis directrice du master évaluation des politiques publiques. J'ai beaucoup plus de pertinence et d'appétence à parler. Euh, de ce master-là, je vais commencer. Je vais commencer. Euh, je vais commencer par le présenter. Également, je répondrai à toutes les questions concernant tout le processus de tout le processus d'inscription. Également, euh, comment ça comment se passe, comment se déroule les les études les études à Sciences Po, comment en fait comment se structure également la vie des étudiants euh, la vie des étudiants au sein de Sciences Po Rabat et euh, également plus généralement à l'intérieur de de notre de notre université alors, le master que je dirige, c'est un master qui, qui, qui porte sur l'évaluation des politiques publiques dans les pays en voie de développement. c'est assez, 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 assez spécifique aux pays en voie de développement parce que le développement passe principalement par la mise en place, par le déploiement de, de, de politiques publiques, d'actions euh, publiques qui vont, cibler, qui vont cibler des voies de développement, des secteurs, des secteurs clés, des secteurs clés à développer. alors, c'est un, un master qui est en même temps euh, professionnalisant et un master qui, euh, qui est également qui formel à la recherche comme une grande majorité comme une grande majorité euh, de masters avec la spécificité tout de même que c'est un master qui euh, englobe principalement tous les outils nécessaires à l'évaluation que ce soit vraiment technique c'est un master qui est assez technique mais c'est un savoir technique qui, qui est accompagné par un savoir théorique en sciences politiques et donc qui, peut, qui forme également à l'analyse en général de l'action publique, euh, de publique dans, les pays, dans les pays en bas de développement. Et donc, c'est un parcours, un parcours qui, dont les débouchés sont très diversifiés sont très diversifiés parce que principalement on forme des experts en fait à science, que ce soit dans le master évaluation des politiques publiques ou dans les autres masters, nous avons vraiment cette, euh, nous avons vraiment cette exigence de former des décideurs dans des secteurs bien déterminés, que ce soit dans les secteurs euh, du maintien de la paix, dans les secteurs de, qui sont, euh, qui sont euh, des secteurs euh, qui, euh, qui concernent principalement les, les conflits, la résolution des conflits avec le, le master RCGP, euh, également... Le, que ce soit avec le master Epp mais également le, le master euh, le master g2i et donc nous avons cette nous avons vraiment cette exigence de former de de d'avoir un éventail de choix de de vraiment de, de donner à, 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 à nos étudiants un éventail de choix quant à, la, à à leur insertion dans la vie dans la vie professionnelle il y a euh, dépendamment des masters, euh, dépendamment des masters que vous pourriez euh, que vous pourriez choisir, dépendamment de ces masters-là, on peut avoir euh, soit des débouchés dans le secteur privé, mais également des débouchés dans le secteur euh, dans le secteur public, notamment euh, notamment euh, notamment en passant les, euh, les concours euh, les concours de la fonction publique, que ce soit au ministère euh, au sein de, de différents ministères, hein, que ce soit le ministère des euh, des affaires étrangères, que ce soit le ministère également le euh, ministère de l'Intérieur, que ce soit le, le, le ministère euh, des Finances, etc., donc, ou le ministère des Évaluations des politiques publiques qui maintenant existe, euh, qui maintenant existe au Maroc. Et donc, euh, il y a ces ouvertures-là dans le, dans le monde, dans le, la sphère, euh, dans la sphère euh, publique, mais il y a également tout une, un éventail euh, de débouchés dans le, secteur, euh, dans le secteur privé, notamment dans le consulting. Puisque le consulting, ou les, les, le, travail de la, le travail de consultant, le travail de la consultance, est un travail d'expertise euh, donnée sur un secteur bien déterminé, des expertises données sur un champ bien déterminé. Le master évaluation des politiques publiques forme à ces expertises-là. C'est un master qui pourvoit beaucoup les bureaux d'études, par exemple parce que euh, il faut des évaluations, il faut des analyses euh, des euh, sur euh, sur par exemple sur le, le, le dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans plusieurs euh, dans plusieurs domaines. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des masters ou, euh, du moins le celui de PP mais également les, mais également les autres masters où euh, les les enseignements techniques sont des enseignements qui vous donnent des outils euh, qui sont euh, qui sont euh, directement qui vous, qui vous donne une certaine qui vous rendent réellement opérationnel qui vous rende réellement opérationnel vous savez quand, euh, quand un étudiant qui est fraîchement diplômé va passer un en entretien euh, c'est toujours rassurant de savoir que vous maîtrisez ou que l'étudiant le, 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 jeune, le jeune diplômé maîtrise totalement les outils du monde du travail et donc ce qui est intéressant dans ces masters là c'est qu'il n'y a pas une scission on n'acte on pas une scission entre le monde universitaire qui, est, qui, qui peut être un monde conçu comme un monde totalement théorique et le monde du travail qui lui est un monde pratique. Eh bien non, ces trois masters-là sont véritablement tournés vers une meilleure adéquation entre le monde universitaire, c'est-à-dire celui de l'apprentissage hein, que vous aurez euh, sur les deux ans, les, que, que ce soit un master 1 et un master 2, et également le monde pratique du travail, c'est-à-dire les outils que vous allez euh, que vous allez euh, apprendre, les outils que vous allez apprendre avec nous dans, au sein de nos formations ce sont des outils qui sont réellement nécessaires. Dans le, dans le monde du travail. Vous allez, par exemple, savoir ce que c'est qu'une. mettre en place un cadre, un cadre théorique pour donner une synthèse de développement d'un secteur bien déterminé. Et en fait, ce sont des masters qui sont. qui vous offrent cette capacité à devenir un expert sur beaucoup de choses, dans, beau, dans, différents, dans différents domaines. Et donc, ça, globalement, c'est ainsi que nous avons réfléchi. Euh, réfléchi nos masters les trois masters qui existent à sciences po c'est principalement, principalement dans cette optique là pour euh, pour c'est principalement dans cette optique là que nous avons réfléchi euh, que nous avons réfléchi ces masters et que nous continuons quand même à les, euh, continuons quand même à les réfléchir et pratique ce... cela, ce, cela se transmet euh, de manière pratique euh, par euh, des cours théorique, évidemment, puisqu'il faut quand même analyser les situations, il faut savoir analyser, il faut savoir les outils analytiques pour lire un phénomène, pour lire un phénomène sociopolitique. Il faut également, euh, il faut également euh, maîtriser les cadres conceptuels euh, de, de l'analyse, que ce soit dans, les, dans le domaine des relations internationales, domaine de l'action publique, qu'elle soit nationale, euh, internationale ou même l'action publique locale, ou euh, dans le, ou euh, tout un cadrage théorique euh, dans le master résolution, euh, résolution des conflits et à côté de ces euh, auprès euh, auprès de ces enseignements euh, auprès de ces enseignements théoriques euh existent des enseignements techniques qui euh, qui sont qui sont également qui sont vraiment les les les, les euh, qui sont des valeurs sûres et extrêmement ce sont vraiment des valeurs très importantes dans le monde du travail c'est vraiment des techniques extrêmement importantes notamment tout ce qui est traitement de données il est désormais accepté, unanimement accepté, que l'analyse d'un phénomène sociopolitique ne peut, euh, ne peut se passer euh, d'un traitement des données, traitement de big data, également des études quantitatives sur un phénomène bien déterminé, etc. Et donc, en fait, c'est dans ce sens-là que nous avons réfléchi et que nous continuons toujours à, réf à réfléchir, euh, réfléchir euh, nos masters. Et donc, il y a des professeurs universitaires qui, que vous aurez certainement que certains d'entre vous pourraient, pourraient avoir comme professeur et puis ensuite il y a des professionnels qui interviennent et qui font un peu la jonction entre le monde le monde pratique tel que vous le connaîtrez après votre diplomation et euh, le monde épistémique c'est-à-dire celui de la création des connaissances de la connaissance que vous avez euh, au sein au sein des universités en général et c'est dans ce sens-là je le redis c'est vraiment dans ce sens-là que nous avons euh, que nous avons conçu et réfléchi euh, et réfléchi les masters euh, les trois masters à Sciences Po à Sciences Po Rabat de l'université internationale internationale de Rabat. Alors je ne sais pas si vous avez besoin que je répète que je redéfinisse un peu les masters, que je donne les noms de ces masters-là. Euh, ce sont euh, trois masters qui euh, qui existent. Il y a trois masters qui existent à Sciences Po Rabat. Vous pouvez euh, avoir, vous pouvez, vous avez accès à leur à leur description directement sur le site de notre université. Et, euh, et euh, sur euh, Sciences Po, le site de Sciences Po euh, de Sciences Po Rabat. Et euh, alors, évidemment, euh, ce sont trois masters qui existent au sein d'un institut d'études politiques. Il ne faut vraiment pas oublier cela. Ce ne sont, ce sont pas trois masters simplement dans un département de sciences politiques. Ce sont trois masters qui existent au sein d'un institut d'études politiques. Alors, cela signifie que. Euh, euh, que ce sont des masters tournés vers les sciences euh, vers les sciences sociales et avec une euh, euh, avec l'exigence que l'on connaît euh, principalement, euh, principalement au sein des IEP. L'année universitaire, le, les masters se déroulent. Alors là, je vais rentrer un peu dans des aspects techniques, mais euh, en, en, euh, avec euh, un peu de j'essaie un peu de devancer vos questions et euh, en essayant de, de répondre euh, à, aux questions. Éventuellement, les questions que vous pouvez poser. Euh, les masters, les masters se déroulent bah, sur deux ans parce que c'est une formation, c'est une formation initiale. Ce n'est pas une formation continue. Il existe les pendant de ces masters-là en formation exécutive. Et là, c'est vraiment un autre pôle dans, au sein de notre université. Mais les masters dont je parle aujourd'hui, ce sont les masters de la formation, euh, de la formation euh, initiale. Ça veut dire une formation diplômante avec un euh, à la clé. Au bout de deux ans, vous avez un diplôme reconnu. Euh, reconnu par l'État, euh, reconnu c'est un diplôme étatique reconnu par l'État marocain. C'est un diplôme d'une très grande université et c'est donc un diplôme qui, euh, qui vous ouvre réellement, euh, qui, vous donne accès à, euh, qui vous donne accès à pratiquement tous les postes que vous, que vous souhaitez que souhaiteriez que vous souhaiteriez, euh, que vous souhaiteriez euh, auxquels vous souhaiteriez prétendre, principalement des postes où il y a une décision à prendre. Hein. C'est vraiment le profil que nous, euh, que nous formons euh, que nous formons à Sciences Po. Alors, évidemment, il euh, euh, y, a, y, a, y, a euh, y a des corps de métiers auxquels on ne peut pas prétendre quand on fait ces formations-là, comme euh, euh, médecine par exemple, ou architecture, ça c'est clair. Mais euh, ce sont des diplômes et c est, c est vraiment des, ce sont des études c'est une formation, que ce soit une, les formations dans les Sciences Po, c'est une formation qui vraiment a cette prétention totalement légitime euh, d'ouvrir un, 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 un très large éventail de choix. Quand, quand on monte du travail je focalise énormément sur le monde du travail parce que c'est principalement euh, c'est principalement ce qui euh, ce qui euh, ce qui obsède un peu les étudiants en master parce que euh, ils sont euh, surtout lorsqu'ils sont en master 2 euh, ils sont un peu en fin de parcours et euh, il y a le monde professionnel qui pointe un peu son nez qui est à l'horizon et donc il va falloir euh, il va falloir euh, il va falloir travailler de manière très euh, de manière très claire et euh, le taux d'insertion de nos étudiants dans le monde du travail est vraiment satisfaisant. C'est un taux qui, euh, c'est un, un, retour qui, pour nous, est extrêmement. Euh, c'est très exaltant parce que nous nous, nous sommes. Euh, euh, il nous donne vraiment la crédibilité dans, que, 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 nous, euh, bah, que, que, que nous avons et la légitimité également de continuer le travail euh, que nous faisons auprès de nos étudiants. Donc, il y a deux ans de master c'est une formation initiale il y a donc deux ans de master euh, ce sont des années universitaires. Deux années, euh, deux années universitaires. La première année est une année pleine d'enseignement, c'est-à-dire que vous, aurez, euh, vous avez des enseignements au premier semestre, également des enseignements au second semestre, avec, avec évidemment des évaluations à la fin du premier semestre et des évaluations à la fin du second semestre. La seconde année euh, est une année qui, se, est une année qui, euh, qui diffère un peu, ce n'est pas toute une année d'enseignement, il y a un premier semestre qu'on peut appeler le, le, S, le S3 de la si 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 on, si on délimite les masters et la licence Donc le, le, le dernier l'avant le, dernier semestre est un semestre d'enseignement au sein de au sein de l'université et puis le quatrième semestre qui est le dernier semestre qui est le dernier semestre est un semestre où le, les étudiants sont appelés à faire soit un stage un stage professionnel, c'est un stage professionnel quand même. C'est pas, il faut, pas une courte durée à ce moment-là. C'est pas un stage d'un mois ou de deux mois. Il faut impérativement passer. C'est un stage C'est un stage qui, à mon sens, devrait avoir au moins. Euh, on devrait compter au moins quatre mois de stage, hein, Pour précisément euh, que l'étudiant soit véritablement en immersion dans un, en immersion dans le, euh, dans l'environnement, dans l'environnement de travail. Et c'est un stage qui, pour moi, c'est vraiment une. Euh, c'est très. Les stages sont extrêmement formateurs. Hein, c'est pas contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas. Euh, on on, on s'éloigne de plus en plus. On s'éloigne réellement euh, des stages euh, classiques où effectivement les, où l'étudiant est là et principalement euh, en observateur. Mais ce sont des stages où l'étudiant a des comptes à rendre dans son dans son lieu de stage où il a véritablement des responsabilités. Et donc euh, oui, ça c'est ça c'est très important. Euh, alors, soit il y a un stage, un stage de quatre mois environ, le stage commencerait vers la fin du mois de janvier, euh, début février, et, euh, et s'achève vers le mois de mai ou, ou, ou juin. Donc, euh, avec à la clé une soutenance d'un rapport de stage. Euh, soit une, soit euh, un mémoire un mémoire de recherche. alors évidemment euh, il y a euh, avant il y avait l'équivalent de ce qu'on appelait les deux SS et le DEA et qui faisait vraiment la distinction entre ceux qui voulaient euh, directement s'inscrire dans le monde professionnel et ceux qui voulaient euh, dire, soit qui ceux qui, qui euh, qui euh, qui avait qui avait une prétention à la recherche et qui voulait s'inscrire dans le monde dans le monde de la recherche donc il y avait le DEA c'était le diplôme d'études approfondies puis il y avait le DSS qui était spécialisé et spécialisé euh, aujourd'hui les masters sont véritablement offrent désormais les masters offrent les deux perspectives donc on n'a pas besoin d'aller vers un master spécialiste ou professionnel ou vers un master de recherche Des, les trois masters que nous avons à Sciences Po sont trois masters qui euh, qui peuvent donner euh, tout aussi bien euh, qui peuvent aboutir vers une insertion immédiate dans le monde du travail, mais également qui euh, et qui donne également l'accès au monde euh, au monde de la recherche. Et c'est pour ça que la, les formations telles que nous les avons également conçues euh, dans ce sens. En, 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 euh, en adoptant et également en obéissant totalement et avec grande cohérence euh, au cahier de charge du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, on est véritablement les masters sont, ont, ont cette double ont cette double prétention de former à la recherche également, mais euh, également à former les étudiants à s'inscrire directement immédiatement euh, dans le monde dans le monde professionnel dans le monde du travail. Euh, et donc, c'est dans ce dernier semestre où l'étudiant va euh, l'étudiant devrait, euh, devrait choisir. C'est un choix mais il ne faut pas considérer ça comme un choix définitif ni un choix absolu. On peut tout aussi bien faire un stage, faire un stage, écrire un rapport, euh, écrire un rapport de recherche et, euh, et ensuite se tourner, euh, enfin, un rapport de stage ensuite se tourner vers la recherche. Et on peut tout aussi bien faire un mémoire et passer et euh, euh, travailler sur un mémoire sur une question de recherche, pendant, euh, pendant la dernière année et ensuite s'inscrire directement euh, dans le monde professionnel. Donc ce n'est absolument pas exclusif. Hein. Les, les deux, c'est véritablement, euh, bon, je pense que c'est une, euh, une recette qui est bien plus pertinente et qui répond, qui est véritablement en adéquation avec, euh, avec, euh, la, avec les, les exigences actuelles, que ce, soit dans, que ce soit le monde du travail directement ou, euh, ou le monde de la recherche. Et donc, euh, il y a les, les trois les trois masters, les trois masters à Sciences Po Rabat répondent à cette répondent à cette double exigence et euh, les formations sont vraiment des formations de haut niveau qui permettent, qui donnent aux étudiants tous les outils nécessaires pour s'inscrire soit dans la recherche ou alors devenir euh, rapidement euh, euh, très rap, très rapidement opérationnel et, euh, et s'inscrire dans le monde du travail. Nous avons beaucoup de nous avons des exemples d'étudiants qui durant leur lieu durant leur stage et, dans, sur leur lieu de stage euh, s'inscrivent directement ils, ils, ils poursuivent directement avec un contrat c'est-à-dire qu'ils ils sont directement recrutés par, euh, par l'institution qui les a reçus pendant leur stage et ça c'est ça c'est assez euh, c'est vraiment encourageant c'est vraiment encourageant pour nous alors je ne sais pas si vous avez des questions mais n'hésitez hésite, pas à les écrire que je puisse au moins les lire je ne sais pas si, si, si je peux lire une question à distance Eh bien, euh, pour le moment, non. Pour le moment, non, nous n'avons pas… Euh, y a, y a, euh, je pense qu'il vaut mieux faire un master en étant en immersion dans le monde universitaire. Alors ça, je peux comprendre qu'on puisse faire un master en distance lorsqu'il s'agit d'une formation exécutive. Mais quand il s'agit d'une formation diplômante, euh, avec un master à la clé, je pense que l'immersion dans le milieu universitaire est nécessaire. Et euh, donc pour le moment, nous n'avons nous pas, pas cette, cette possibilité-là, euh, principalement parce que, moi je, je prends l'exemple hein, de, notre, de notre institut, je prends également l'exemple de, de notre université, le lien que nous avons avec, notre, avec nos étudiants, bah je, 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 je le vois bien moi en tant que directrice de master, c'est un lien qui est très structurant également pour eux. Et, euh, et la, la proximité avec l'administration permet, permet vraiment de rendre les choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus souples. Et euh, le processus même d'étudier, etc., est beaucoup plus intéressant lorsqu'on est en interaction. Avec, euh, avec les professeurs, les enseignements, à, les enseignements à Sciences Po en général ne sont pas des enseignements de type vraiment magistral. C'est nous avons des cours magistraux, mais les cours magistraux ne sont pas simplement des cours où le professeur est là pendant deux heures et péroré pendant deux heures sur son estrade. Pas du tout. La plupart de nos enseignements sont basés sur, sont fondés vraiment sur l'interaction avec nos étudiants. Et, euh, et donc euh, sérieusement, moi je pense. Évidemment, vous allez me dire que l'interaction peut également exister à distance, mais non. C'est vraiment une. Il y a, y a une forme de proximité qui se crée à l'université, qui est très salvatrice quand on est étudiant. Il y a également, il faut pas. Il ne faut. Euh, y, et puis il ne faut pas minimiser l'intérêt, le, le, le rôle et l'importance euh, du fait d'appartenir à une, à une promotion. L'appartenance à une promotion est très structurant et aide véritablement à mieux suivre ses études. Voilà, j'ai répondu à la question en vous donnant vraiment mes arguments de manière très honnête. Quels sont les annonces de travailler dans des organisations internationales. Alors oui, alors c'est pas, euh, oui oui, mais tout à fait. Vous pouvez, vous faites très bien. Vous aurez, vous aurez à ce moment-là toute la légitimité euh, de prétendre à travailler dans des organisations internationales. Que ce soit, alors évidemment, le master gouvernance et intelligence internationale et c'est un master, euh, c'est un master qui porte en lui vraiment, qui porte en lui l'international. Ça c'est euh, c'est clair et net. Et euh, oui oui, c'est, je pense que c'est les formations de Sciences Po euh, sont des formations qui euh, qui sont très ouvertes sur les, sur les organisations internationales. Et les trois masters, après, c'est à vous de voir euh, de quelle organisation internationale vous parlez, de quelle manière vous voudriez travailler, parce que euh, les trois masters donnent cette possibilité-là. Que ce soit le master G2I, que ce soit le master RCGP, et également le master EPP. Euh, si vous voulez, par exemple, si pour vous travailler dans une organisation internationale, c'est principalement faire l'expertise. Des projets de développement qui sont euh, qui sont mis en place par les organisations internationales dans les pays en voie de développement. Peut-être que les outils et les instruments que que vous verrez dans le master, qui sont dans le master, qui sont enseignés dans le master EPP vous seront plus pertinents. Si par exemple organisation internationale, ces principes, c'est vous entendez par là. Euh, être dans la représentation diplomatique euh, là évidemment c'est le master G2i qui vous donnera les euh, qui vous donne qui vous donnera les clés nécessaires si les organisations internationales vous les réfléchissez dans le terme de conflit également résolution de la paix à ce moment-là c'est vraiment c'est le c'est le euh, le le master RCGP qui est qui est certainement le mieux le mieux placé pour vous. Alors oui, c'est une, c'est vraiment de toute manière, nous sommes un institut d'études politiques euh, et relations internationales, donc on est vraiment porté vers l'international. C'est euh, évidemment, donc oui, forcément, c'est euh, euh, les profils que nous, les profils que nous formons sont des profils qui maîtrisent très bien toute la complexité de l'international, toute la complexité qui est euh, qui a une dimension internationale. Donc euh, oui, vous pouvez. Il y a un accompagnement vers un éventuel emploi. Alors, l'accompagnement vers un éventuel emploi, euh, tel que moi je le conçois, tel que moi je conçois cet accompagnement-là, c'est principalement, euh, je ne pense pas que je ne pense pas que les étudiants euh, que les étudiants vont euh, se disent à un moment donné, oui oui, je vais je vais travailler, je vais travailler pour travailler. En fait, euh, il faut concevoir l'emploi en adéquation avec les meilleures compétences que, avec les meilleures compétences que nous avons. Euh, l'orientation que nous donnons à nos étudiants, c'est principalement pour savoir vers quel domaine ils devraient se tourner. Je ne vais pas vous dire que nous avons, euh, oui oui, nous avons dans nos tiroirs euh, des, euh, des emplois euh, à donner, pas du tout. Par contre, nous pouvons, nous vous accompagnons réellement vers l'orientation nécessaire dans le domaine dans lequel, dans lesquels vous pouvez vous insérer, dans lequel vous serez le plus pertinent. Ça, c'est vraiment ça, c'est le travail pédagogique que nous menons. Après, euh, que ce soit Sciences Po Rabat, que ce soit l'Université internationale de Rabat ou même chacun des directeurs de recherche, chacun des directeurs de master, nous avons des réseaux euh, que nous mobilisons pour vous, principalement en euh, lorsqu'il s'agit, par exemple, lorsque nous faisons intervenir des professionnels dans les, dans, au sein de nos masters, on fait forcément intervenir tout le réseau derrière ce, derrière ce professionnel. Et euh, à ce moment-là, il y a des ponts, il y a des connexions, il y a des réseaux également qui sont à vos dispositions et que vous pouvez utiliser. Nous ne faisons absolument pas la rétention de réseau, absolument pas, bien au contraire. Et euh, oui, nous avons des opportunités de stage que nous, euh, que nous, euh, que nous proposons à l'ensemble de nos étudiants. Et nous avons, dès que nous avons une proposition euh, d'un emploi, etc., qui est en adéquation avec la formation euh, que nous donnons, évidemment, nous, nous, nous l'adressons systématiquement, euh, systématiquement à nos étudiants. Et donc, euh, chacun, chaque prof, évidemment, nous avons nos réseaux. Nous avons euh, euh, que ce soit que ce soit euh, au Maroc, que ce soit euh, que ce soit sur une, une, une partie du continent, une partie du continent africain, et également, euh, également en Europe. Alors les personnes, euh, tout le monde, ça c'est. Euh, l'éligibilité, alors, euh, alors pour être éligible au master, faut, logiquement et principalement, il faut avoir une licence. Il faut avoir une licence. Alors évidemment, euh, il faut avoir une licence en sciences sociales, c'est mieux, c'est c'est plus, euh, oui, c'est le, le prérequis, c'est vraiment avoir euh, avoir une licence, euh, avoir une licence dans les sciences dans les sciences sociales. Et les sciences sociales sont très vastes, hein, donc c est, c est, c est, que ce soit l'économie, la sociologie, euh, le droit. Euh, le droit public plus de plus de plus de plus de d'affinité avec euh, plus d'affinité avec le droit public euh vraiment tout, toutes les personnes qui ont toute personne qui a qui détient un, un une licence une licence dans les sciences sociales euh les, de, pour d'autres licences ça serait un peu difficile ça serait un peu difficile parce qu'il faudrait quand même euh, avoir quelques prérequis, euh, quelques prérequis vraiment dans, au moins pour le fonctionnement, dans le fonctionnement d'une société. Euh, donc, il faut quand même avoir, euh, principalement, nous acceptons tous ceux qui ont une licence, euh, une licence en, euh, dans les sciences Il n'y a, a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Dans mon master, il y a des étudiants qui sont, euh, j'ai des étudiants qui, qui, euh, qui ont 15, 20 ans d'expérience de travail et qui... Euh, et qui retournent qui retourne dans le Giron des études universitaires, qui font deux ans qui font leurs deux ans de diplôme, etc. Pour pour après prétendre à de meilleurs postes dans leur dans leur carrière dans leur carrière. Donc principalement il faut avoir une il faut avoir une licence en dans les sciences sociales en général. Quel que soit évidemment euh, ici il euh, y, y a quelques spécificités techniques également à voir. Il faudrait, euh, c'est un diplôme d'État, hein, c'est un diplôme, euh, un diplôme euh, étatique, euh, donc euh, il faudrait que ce soit une licence reconnue également. Euh, oui, c est, c est, euh, donc il y a quelques spécificités techniques dans ce sens. Il faudrait que ce soit une licence reconnue. Euh, il faudrait que ce soit une licence reconnue par l'État. Voilà, si c'est une licence étrangère, une licence qui est obtenue dans, une, dans un pays étranger, euh, s'il n'y a pas de système d'équivalence systématique, eh bien, il faudrait tout simplement déposer un dossier de demande d'équivalence. Auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Également, il y, a, il y a également un dossier que l'on que l'on que l'on euh, instruit au niveau de l'UIR euh, et qui est le dossier est étudié par euh, principalement par la vice-présidence euh, aux affaires euh, académiques pour donner déjà une son préavis avant de avant d'avoir l'avis du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est euh Alors, si vous êtes euh, si vous êtes en prépa littéraire, est-ce que vous prétendez à est-ce que vous prétendez à, à, à au master ou à la licence en sciences politiques Est-ce que c'est une première année euh, Est-ce que c'est alors je réponds à une question concernant la prépa Il y a une personne qui fait euh, qui est inscrite en prépa en, pré, en prépa littéraire et euh, je voudrais juste spécifier est-ce que c'est pour euh, intégrer le master ou bien pour intégrer euh, la licence, la première année, le bachelor. Prépa littéraire, euh, il n'y a pas de... Il faut, il faut vraiment l'équivalent de licence. Il faut vraiment l'équivalent, il faut vraiment le diplôme équivalent de licence, c'est-à-dire soit un bachelor, soit une licence. Et euh, prépa littéraire, c'est tout à fait... Pédagogiquement, vous êtes dans les prérequis. Hein. Pédagogiquement, vous êtes dans les prérequis normalement que nous, que nous demandons à nos étudiants. Donc il faudrait juste simplement savoir si c'est une master. Donc euh, il, faut, il faut simplement il faut simplement savoir si la, la si la prépa vous donne si la prépa euh, donne équivalence de licence ou bachelor. Si c'est le cas si c'est le cas vous pouvez vous inscrire en master. Alors je suis, en train de lire en même temps, je suis en train de lire en même temps, les questions que. Alors est-ce que les personnes qui ont une licence droit arabe peuvent accéder à ce master euh, Il est vrai que les études sont, euh, les études, les masters que ce soit toute la formation, toute la formation à Sciences Po, c'est une formation francophone. Et anglophone également. Il y, a, il y a également des enseignements, il y a également certains enseignements sont également donnés en anglais, mais principalement, euh, principalement francophone. Euh, il faudrait euh, à ce moment-là, je pense que lorsqu'il y a euh, une spécificité technique, qui est, euh, là il me semble qu'il y a une spécificité linguistique. Moi je pense que le mieux c'est de passer par un entretien avec le directeur, avec l'un des directeurs, avec le directeur du master, et ensuite déposer un dossier d'instruction auprès de, euh, de la vice-présidence aux affaires académiques pour voir si oui ou non on peut, mais il me semble que c'est un, un, un diplôme euh, en droit, et ensuite euh, voir, vraiment, euh, voir vraiment selon le profil de l'étudiant qu'on voit euh, au cours de l'entretien par exemple. Alors évidemment, ce sont, ce sont des, euh, les, le, accéder, accéder à ces masters se passe, 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 par un, passe par un entretien et les entretiens sont euh, euh, les entretiens sont effectués directement par l'un des trois euh, par l'un par des trois euh, directeurs euh, directeurs de master. Il faut prévoir un service de gestion de carrière pour les étudiants. Je, oui. <laughs> gestion de carrière. Bah écoutez, moi je personnellement je, je préfère de loin gérer ma carrière moi-même. Euh, C'est euh, alors évidemment alors peut-être pas gestion de carrière, mais simplement j'entends je, je, par là une orientation de carrière. Oui. Alors pas gestion de carrière. Je ne peux pas gérer la carrière. d'un je, je ne peux pas avoir la prétention de gérer la carrière de quelqu'un. Je peux orienter. Je peux conseiller, je peux orienter, mais gérer non. Ça, c'est vraiment, c'est euh, un métier différent. Ça s'appelle agent. Et euh, je n'ai pas, a, nous n'avons pas cette prétention-là. Nous sommes, on peut vous orienter, on peut, on peut vous aider à choisir des carrières, on peut vous aider dans cette, euh, évidemment. Mais euh, nous le faisons directement avec nos étudiants. Nous le faisons directement avec nos étudiants. Nous sommes vraiment très proches de nos étudiants, donc nous parvenons réellement à répondre à leur, euh, à répondre à, leur, euh, à leurs appréhensions. Euh, nous parvenons à répondre vraiment à leurs besoins, les appréhensions. Je, 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 euh, au bout de plusieurs années quand même de direction de master, j'arrive à, comp à, à comprendre de mieux en mieux les appréhensions de mes étudiants. Donc, euh, j'arrive là maintenant, je, je, euh, on arrive avec, avec mes collègues, on arrive vraiment même à, à les devancer et, et également à les, à les prévoir. On est beaucoup plus dans la prévention maintenant euh, qu'autre chose, hein, si je veux reprendre les... Les, euh, la, la, la dialectique, la dialectique de la, dans, dans, dans le domaine de la politique de santé. On est beaucoup plus maintenant dans la prévention plutôt que dans la gestion, plutôt que dans la réponse directe aux, aux besoins. Donc euh, oui, oui, mais moi, je vois plus, euh, j'entends cela bien plus dans l'aspect euh, euh, orientation plutôt que gestion, euh, gestion de carrière. Mais oui, oui, j'entends bien, hein, j'entends bien la, la demande. <laughs> merci beaucoup, euh, merci beaucoup, euh, monsieur Mala. Vraiment, merci beaucoup. Et euh, oui, oui, non, ça, a été un, ça a été un plaisir de vous avoir. Hein. Euh, vous, avez, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait vos cinq ans, vous avez fait vos cinq ans chez nous. Euh, vous avez maintenant une belle carrière. Hein. Vous êtes inscrit dans une très, très belle carrière, monsieur Mala. Donc, oui, ben, ça fait vraiment plaisir de. Euh, bah, je, je vous réponds non sans émotion, hein, Monsieur Mala, mais merci. Hein, et merci, à, merci à vous d'avoir choisi, euh, choisi Sciences Po, euh, alors que Sciences Po commençait, euh, c'était vraiment les premières promos. Vous avez fait partie des toutes premières promos de Sciences Po en plus. Merci, Monsieur Mala. Alors, les différents débouchés euh, de ce master là. Alors. Je vais faire une, une scission en, en deux parties. Alors, il y a les débouchés dans le secteur public, il y a également les débouchés dans le secteur privé. Dans le secteur public, c'est un master qui prépare euh, aux fonctions, euh, à la haute à la, à la, à la fonction, à vraiment la fonction publique, mais d'un point de vue de décideur, c'est-à-dire ceux qui vont... Euh, c est, c est, euh, ceux qui travaillent dans l'aide à la décision politique, l'aide à la décision, l'aide à la décision publique. Dans le secteur public, dépendamment, euh, dépendamment euh, des gouvernements que vous voulez, que vous souhaiteriez euh, que vous souhaiteriez euh, un, un, introduire, euh, vous pouvez euh, passer les concours de plusieurs ministères. C'est un master qui vous donne véritablement les outils adéquats pour passer les concours. D'ailleurs, on a, on a certains enseignements qui sont axés également, euh, qui, il y a des options qui sont axées dans ce sens. C'est des préparations, c'est des prépas, ou, euh, des, prépas, euh, des ce, sont, ce sont des enseignements dans, dans l'enseignement où euh, les, 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 ce sont des professionnels qui, qui viennent d'ailleurs pour donner les outils qu'il faut pour euh, passer les concours, etc. Donc il y a vraiment la fonction publique. Que ce soit par exemple au Maroc, il y a la Cour des comptes, il y a vraiment des institutions euh, dans ce sens qui, sont, euh, qui ont impérativement besoin d'experts en politique publique et en analyse de l'action publique. Il y a également, et dans le secteur privé, il y a pratiquement tout ce que l'on peut faire avec euh, tout ce que l'on peut faire dès lors qu'il s'agit d'action publique. Et l'action publique, en fait, euh, ça va des, des bureaux d'études. vous pouvez prétendre, par exemple, vous êtes, vous serez euh, les, les étudiants de ce master-là sont d'excellents profils. Pour les bureaux d'études et de consulting, pour deux raisons. Un, euh, ce sont des étudiants qui parviennent à faire des synthèses d'un phénomène, à faire des synthèses et des rapports sur des situations bien déterminées, et complexes, des synthèses très vite. C'est vraiment c'est vraiment un savoir-faire euh, savoir théorique qu'ils arrivent à maîtriser. Euh, ce sont de très bons profils pour les, pour les, euh, pour les bureaux d'études parce qu'ils maîtrisent d'emblée euh, les outils dont ont besoin les bureaux d'études. Alors ça c'est pas c'est c'est pas c'est pas sorcier. Euh, ceux qui enseignent ça sont des dirigeants de bureaux d'études. C'est eux qui viennent à, qui viennent expliquer ça euh, euh, aux étudiants de ce master-là. Donc euh, comme par exemple les montages de projets, également euh, comment répondre à un cadre, comment répondre à un appel à projet, comment mettre en place un cadre théorique, comment évaluer euh, comment évaluer comment analyser, etc. Et là il y a des outils analytiques que ça soit quantitatif, qualitatif et ça ce sont des outils dont qui rendent vraiment les étudiants très, très opérationnels, très, très vite. Il y a également les organisations internationales. Pourquoi Parce que toutes les organisations internationales ont impérativement besoin d'expertise sur des situations bien déterminées et, euh, et d'experts et de consultants. Ça, euh, dès lors qu'il s'agit de, de l'aide au développement, on est dans les organisations internationales on est dans les ONG, on est forcément dans euh, donc, il y a il y a également donc il y a ces débouchés là dans le secteur dans le secteur privé, les secteurs les organisations internationales, les, euh, les ONG, les associations. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui cherchent à recruter euh, qui cherchent à recruter euh, des, des étudiants sciences po également des étudiants de ce, de, de ce master là d'évaluation des politiques euh, d'évaluation des politiques publiques. Euh, il y a également, euh, il y a également, euh, il, il y a également toutes les toutes places, toutes fonctions qui nécessitent un qui nécessite un savoir-faire concernant la prise de décision. Et la prise de décision en fait nécessite forcément euh, d'avoir de porter un regard global sur une situation sur une situation complexe. Et euh, l, que ce soit Sciences Po. Le master EPP, mais également les autres masters, il le forme à la prise de décision. Il forme à l'analyse de la prise de décision. Donc dès lors qu'il s'agit d'un poste où il faut prendre des décisions, les étudiants sciences po sont les mieux placés. Et donc il euh, y a vraiment, euh, mais euh, il y a également les cabinets, également les cabinets ministériels hein, dans ce qui est tra travail auprès, des, 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 euh, auprès des, des différents services de gouvernement. Il y a également, également aujourd'hui un acteur. Euh, y a, depuis, depuis une vingtaine d'années, il, il y a des acteurs qui commencent à émerger, comme les collectivités territoriales, les collectivités locales. Et ces collectivités locales et territoriales, elles ont besoin de développer leur territoire et d'avoir des expertises sur le développement de leur territoire que ce soit en ville, que ce soit dans le monde urbain, dans le monde rural. Donc, ils ont besoin d'experts sur le développement des politiques de ville, par exemple, des politiques d'assainissement d'eau, des politiques de politique agricole, etc. Donc, il y a également les collectivités territoriales qui peuvent, qui peuvent être d'excellents débouchés pour, pour, le, pour les étudiants de ce master. C'est vraiment, c'est très diversifié comme débouchés. Mais c'est des profils qui sont très demandés aujourd'hui, hein. c'est vraiment, vraiment des profils qui sont très demandés, d'autant plus que le master EPP, c'est un master qui, euh, qui englobe un savoir économétrique. Parce que ben, il, faut, il faut mesurer l'impact de ce qui est fait, l'impact des politiques publiques, etc. Donc il y a également tout ce que l'on peut apprendre en, en termes de mesures d'impact, etc. Mais il y a également tout, tout le côté théorique, de sciences politiques, de, de, science politi de, de euh, gérant de, de, de la science euh, de la science politique. Et donc en fait c'est un master qui forme des profils qui ont, les deux, qui ont vraiment les, ces deux, euh, qui maîtrisent très bien ces deux domaines de connaissances. Alors, étudier hors du Maroc pour, euh, pour, tout le, pour toute l'année de M2, non. Alors je, vais, je, vais être, je vais être très honnête avec vous. Euh, il, il est possible d'étudier hors du Maroc durant le second semestre du M2, c'est-à-dire à, euh, à partir de janvier, grosso modo. Et euh, alors oui, ça me donne l'occasion également de parler de la mobilité. Euh, L'Université internationale de Rabat est en partenariat avec au moins 150 universités, euh, euh, universités étrangères. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'université Luyère euh, parvient, à, euh, parvient à, à négocier plusieurs formes de partenariats. Et parmi ces formes de partenariats, il y a les, les, y a les partenariats basés sur le Erasmus. C'est-à-dire, euh, on peut avoir des mobilités. Les étudiants peuvent aller étudier dans une dans une université étrangère avec une bourse, euh, avec une bourse Erasmus+, qui est assez importante et qui permet véritablement d'être beaucoup plus à l'aise, euh, d'être beaucoup plus à l'aise à l'étranger. Mais donc il y a cette possibilité quand même, que ce soit avec une bourse Erasmus+ ou même sans, il y a la possibilité d'aller passer le second semestre euh, le second semestre à l'étranger, oui. Il y a cette possibilité. Il y a beaucoup d'étudiants qui y vont. L'année dernière, j'avais une étudiante à Rome, j'avais deux étudiantes, il me semble, à, à Bordeaux. Il y avait également un étudiant à Madrid. Ça, donc, ce sont des étudiants qui avaient choisi de, de passer leur. Un autre étudiant à Grenoble. Et c'était. Ce sont des étudiants qui avaient décidé d'aller de passer leur semestre à l'étranger. Ce qui est également une belle manière de, de finir ses études, et d'achever ses études. Y a-t-il d'autres questions Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai euh, réellement euh, fait, le tour des, euh, fait le tour des questions. Je reste, quand même à, je reste à votre disposition. Vous pouvez, trouver, euh, vous pouvez trouver mon adresse mail sur le site de l'UIR. Je vous rappelle, je suis la professeure Omari, euh, Omari Zineb. Vous trouverez mon, euh, mon mail euh, à, sur le site de l'UIR. Euh, vous trouverez également le mail de la professeure Yousra Bolabi. De la, de la professeure Yusra Bolabi, euh, qui est la directrice du master G2I, et également euh, le mail du professeur Julien Durand de Sanctis, qui est le directeur du, euh, euh, du master RCGP. Euh, nous, avons tous les trois la même, nous avons tous les trois la même vision, la même conception de nos masters, nous avons la même proximité avec nos étudiants, et nous sommes vraiment à la disposition euh, de nos étudiants. Donc, euh, je, si vous, si vous m'envoyez une, une question par mail, je n'hésiterai pas, je pas à entrer en contact avec vous et à vous répondre. voilà. je pense que... il n'y a plus de questions, si? alors, la bourse erasmus. alors, nous avons au sein de l'université internationale de rabat, nous avons un service relations internationales qui s'occupe principalement de la, mobilité, euh, de la mobilité des étudiants. Grosso modo, il y a deux, il y, a, il y a des critères académiques et également des critères financiers. Donc, un étudiant qui serait boursier chez nous est un étudiant qui aura plus de, plus de points pour avoir, pour avoir une bourse Erasmus+. Donc, il, y a vraiment les deux, il y a vraiment les deux, critères. Après, il faut savoir qu'il y, y a des bourses, il y a des, euh, des mobilités internationales qui s'adressent principalement qu'aux étudiants de master sciences po. Ce qui est très bien. Et il y a également des bourses où il y a également des mobilités internationales et des partenariats qui s'adressent principalement aux étudiants de licence sciences po. Il y a des, il y a des partenariats qui vont s'adresser aux étudiants architecture, etc. Euh, Jusqu'à présent, nous avons toujours eu pas mal d'offres, vraiment beaucoup d'offres pour, euh, pour les étudiants de sciences po. Jusqu'à présent, nous n'avons pas, eu, euh, pas eu de difficulté à euh, nous n'avons pas eu de difficulté à envoyer les étudiants euh, euh, passer leur semestre effectuer leur semestre d'échange. Dans une, université, dans une université partenaire. Et donc, il euh, y, y a des critères, vraiment, si je réponds comme ça, c'est vraiment, il y a des critères académiques et également des critères, euh, euh, des, critères, euh, des critères sociaux, des critères financiers. Les critères académiques, on va se baser principalement sur les, les résultats que vous auriez obtenus au cours de la première année, c'est-à-dire au cours de votre M1. Et également, avec la lettre de recommandation, nous faisons vraiment attention à la lettre de recommandation. Il faut vraiment qu'elle montre, il euh, y a une forme de maturité quand même qu'on cherche à percevoir dans l'écriture euh, et, et, euh, et l'étudiant. Après, ce qui est très intéressant ici à lire c'est que nous avons un service dédié qu'à cela. Il y a vraiment tout un service de relations internationales qui est euh, très bien mené par, euh, par, euh, par Madame Halawi euh, Meriem et elle s'en occupe très bien. C'est vraiment une équipe extrêmement efficace, une équipe avec laquelle je n'ai jamais eu de, de soucis, ils ont été très réceptifs et qui arrivent vraiment à trouver des solutions euh, à plusieurs situations qui n'ont qui pas été prévues, etc. Donc, euh, ce, qui est, ce, qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment arrangeant ici, c'est qu'il y a un service dédié à cela. Et il y a également un professeur référent de la mobilité au sein de Sciences pour Rabat. Donc, euh, vous ne serez jamais perdu, quoi. Vous aurez toujours quelqu'un à qui vous confier, à qui, euh, à qui vous adresser dès lors qu'il s'agira de la mobilité pour vous. <laughs> Merci, euh, ça va. Merci. <laughs> je vous remercie et puis euh, je reste à vos dispositions comme je l'ai dit par mail. Merci.